Dans l'émission Une ambition intime, visionnée en exclusivité par Paris Match, François Bayrou s'est confié à Karine Lemarchand sur l'événement le plus bouleversant de sa vie. Dans les années 2000, la fille de François Bayrou doit être hospitalisée d'office. Elle ne dit au revoir ni à son père, ni à sa mère. Celle-ci était anorexique, et une partie du traitement consistait justement à couper le cordon avec sa famille. « J'étais très très bouleversée », raconte-t-il. Le candidat décide alors de passer outre, et s'arrange pour passer un message à sa fille via une émission de télévision, avec la complicité d'une infirmière. Personne n'a dû comprendre. J'ai dit à l'antenne que j'avais quelque chose à dire à quelqu'un et je lui ai parlé. Cet épisode tragique a toutefois eu le mérite de le rapprocher d'un de ses adversaires politiques, qui n'est autre que Jacques Chirac, dont la fille, Laurence, souffrait du même mal. Comme il avait traversé si difficilement la même chose, on a eu 30 minutes de conversation d'homme à homme, de père à père, d'âme de père à âme de père, raconte le candidat. C'est cette conversation qui, de son propre aveu, explique ses paroles positives lorsque l'ex-chef de l'État avait quitté le pouvoir en 2007.